Après 2h30 d'audience, Gabriel Sichero quitte Bastia en taxi et sous escorte policière, par crainte d'une agression de supporters bastiais, expliquent les forces de l'ordre. Dans la salle d'audience, pourtant au début du procès, pas grand monde, Sichero lui est bien là, flanqué d'un représentant de la Fédération vénézuélienne de football, l'homme à la cravate rouge. Mais ni les supporters, ni même Alain Segui, le dirigeant du Sporting agressé, ne sont présents. La victime a produit un certificat médical au grand regret de l'avocate de Gabriel Sichero. Monsieur Segui explique-t-elle aurait pu nous donner son sentiment sur ce match du 15 novembre, un match très engagé. On ne peut pas comprendre ce geste qui, encore une fois, est inexcusable. Est inexcusable. On ne peut pas comprendre ce geste si on met tout le contexte en dehors. Ce geste est l'aboutissement de toute une série d'événements, de pressions, d'insultes sur le terrain. Devant le tribunal, Sichero va s'excuser et expliquer son geste par cette peur et les agressions qu'il aurait subies au long du match. Mais le ministère public rappelle que 5 rapports des arbitres et délégués sont accablants pour le défenseur lensois. Toujours en tête, écrivent-ils lors des échauffourées. Constat partagé par la partie civile, images de vidéosurveillance à l'appui. C'est un joueur engagé, pas nous faire croire que M. Sichero était impressionné par le stade Armand Cesri, alors qu'il jouait régulièrement dans un stade de 50 000 personnes en Uruguay ou au Venezuela. Après 2 heures d'audience, lorsque Pierre-Marie Gérone est mis le seul représentant du Sporting à avoir fait le déplacement s'éclipse, le ministère public vient de requérir 10 mois d'interdiction de stade et autant d'exercices de la profession et 8 mois de prison avec sursis. Décision le 13 janvier prochain.